Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardé, tu nous as protégé. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous allons Seigneur partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus. Nous te demandons au nom de Jésus d'éclairer notre esprit. Nous te demandons Seigneur au nom de Jésus d'illuminer notre esprit, Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions parler pour toi, Seigneur. Nous te remercions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez, n'est-ce pas, m'aider à partager la parole de Dieu, nous vous remercions pour ce grand travail. Vous qui avez abordé à ma chaîne YouTube, Dieu va continuer à vous bénir. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Lundi est le déjà étudié, n'est-ce pas, l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'œuvre de Jésus-Christ au ciel. Béni soit l'Éternel. Comme nous l'avons vu dans l'étude 32, Jésus a accompli une œuvre cruciale sur la terre en mourant pour nous, pas pour lui. Il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour lui. Il est mort pour nous. Nous qui méritons, n'est-ce pas, qui avons mérité la mort, Jésus est mort à notre place. Il n'est pas resté dans la mort. Ok? Jésus était mort, hein? Mais il n'est pas resté dans la mort. Les quatre évangiles témoignent de sa résurrection. C'est-à-dire, Matthieu, Marc, Luc, Jean témoignent de sa résurrection. Acte 2, verset 32, Marc, Luc, Jean témoignent de sa résurrection. Acte 2, verset 32 nous rapporte que de nombreux disciples ont vu Jésus vivant après sa crucifixion. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire mon Dieu Papa, l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Qu'est-il advenu de lui après sa résurrection? Qui ça le devenu, n'est-ce pas? Après résurrection, qui ça le devenu? La question, pourquoi Jésus devait-il ressusciter? Ça, c'est la grande question. Pour qui ça, Jésus était Dieu ressuscité? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison Jésus devait-il ressusciter? La Bible va répondre à cette question. Pourquoi Jésus devait-il la ressusciter? Lisons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 17 jusqu'au verset 22. Pour répondre à cette question, pourquoi Jésus devait-il ressusciter? 1 Corinthiens 15, verset 17 jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 17. Nous lisons ainsi. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Béni soit l'Éternel. Ça, c'était la parole de l'apôtre Paul. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 17. L'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, ça passe. La foi, non. Son mari qui vaine. Et sur qui ça la foi nous a basé? Sur rien. Si Christ n'est pas ressuscité, ok? Si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Moun qui mourent en Christ, ils sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Apôtre Paul dit que c'est dans la vie ça seulement que nous espérons en Christ, nous avons espoir en Christ. Nous sommes les gens qui sont plus malheureux. Nous sommes les gens qui sont plus malheureux sur toute la terre. Si c'est dans la vie ça seulement. Si c'est la vie sur la terre ça seulement que nous avons espoir en Christ. Nous avons espéré en Christ, mais nous sommes les gens qui sont plus malheureux sur la terre. Béni soit l'Éternel, mais maintenant. Christ est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Béni soit l'Éternel. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme,
La mort est venue par Adam, puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme qui c'est Adam, et bien résurrection tout lui venue par Adam, et bien résurrection tout lui venue par Jésus. Jésus. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tout le monde qui en Adam, c'est le monde qui mourit. Et tout le monde qui en Christ, c'est le monde qui gagne la vie. La vie zoye, c'est le monde qui gagne espérance la vie éternelle. La question, pourquoi Jésus devait-il ressusciter? Jésus te dû ressusciter. Pour que ça? Parce que c'est grâce à la résurrection Jésus qui fait nous capables de dire alléluia, nous avons la vie. Grâce à la résurrection de Jésus, nous avons la vie. La vie zoye, grâce à la résurrection de Jésus. Grâce avec résurrection Jésus, la résurrection pas dans tout l'assuré. Béni soit l'Éternel. Après sa résurrection, après avoir passé 40 jours sur la terre, Jésus a quitté ses disciples. Il a quitté ses disciples. Il était après fin passé 40 jours sur terre. Après résurrection, après le fin levé, il passé 40 jours sur terre. La Bible dit Jésus quitté disciples. Où est-il allé? Il quitté disciples. Bah ouais, qui côté l'allé? La Bible va répondre. Luc 24 verset 51. Qui côté l'allé? Luc 24 verset 51. Béni soit l'Éternel. Où est-il allé? Luc 24, verset 51. Ok? L'ascension. Il a dit ici, pendant qu'il les bénissait, il les sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Qui côté l'allé? L'allé dans le ciel. Il est monté dans le ciel, l'a préparé en place pour nous. Ou même, qui peut faire la paix avec Christ maintenant? Mon quoi? Parce que Jésus était venu mourir. Il était venu pour mourir, il venu mourir. Il était venu pour résister, le monter dans le ciel. Là, il préparait en place pour tout le monde qui connaît lui. Béni soit l'Éternel. C'est ça, nous avons comme espérance. Si Christ n'a pas résisté pour monter dans le ciel, l'évangile, ça n'a pas prêché là. La foi, ça nous a là, l'étape de la foi qui vient. Yes. Acte 7, verset 55. 56. Béni soit l'Éternel. Acte 7, verset 55, 56. Mais Étienne, rempli de cet esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Où est-il allé? Il est allé au ciel. Où est-il maintenant? Il est à la droite de Dieu. De Dieu, le Père. Il est à droite papa, mais quelle est sa fonction maintenant? Il est en train d'intercéder pour moi, pour vous, pour tous ceux qui croient en Jésus, pour tous ceux qui croient en lui. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est à droite papa, ça l'a fait? Il a intercédé pour nous. Verset 56. Et il dit, Étienne, il a lapidé Étienne, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus, n'est-ce pas, est le Fils de l'homme. Et je vois, alléluia, et je vois le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme lui dit, et je vois les cieux ouverts, moi ciel là ouvert, et moi petit l'homme là, n'est-ce pas, debout à la droite de Dieu. Qui côté Jésus t'es allé? Il est monté dans le ciel. L'a intercédé pour nous. La question, quelle est l'œuvre de Jésus au ciel? Quelle est l'œuvre qui œuvre dans le ciel là, ça l'a fait? Quelle est l'œuvre de Jésus au ciel? Répondez avec moi. Faites des commentaires. Répondez à cette question. Quelle est l'œuvre de Jésus au ciel? Lisons ensemble. Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Va répondre à cette question. Que votre cœur, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Quelle est l'œuvre de Jésus au ciel? Qui c'est la fin dans le ciel là qui travaille? Là, il prépare une place pour nous. Place pour nous. Je vais vous préparer une place. Il est allé au ciel, il est à la droite de son Père. N'est-ce pas? Il est allé préparer, n'est-ce pas, une place pour moi, pour vous. Béni soit l'Éternel. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Qu'est-ce qu'a parlé là encore? Jésus qui a parlé là. Il parlait là, il dit, il vous est avantageux. Il parle avec disciples. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Li avantageux pour nous pour m'aller. On pas arrêter sur la terre parce que mission c'est pas pour me venir rester sur la terre. C'était pour me venir mourir, ressusciter, monter à préparer une place pour nous. C'est ça que fait dit il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, qui est le consolateur? Le consolateur c'est le Saint-Esprit. Yes. Il dit que m'braler m'a voulu l'autre consolateur. Le consolateur, n'est-ce pas, mot grec qui traduit consolateur, c'est le paraclet. Le paraclet, c'était le Saint-Esprit. Il dit, si m'ba allez, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si m'ba allez, cet esprit n'a pas venu. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si m'a allez, m'a voué, qui est-ce que vous voyez? Le Saint-Esprit. Nous t'a dit, Jésus est allé. Il est allé, il est revenu. L'aller le tonner. L'aller le tonner sur notre forme. Yes, yeah, c'est Dieu. Pas de trois dieux. Il y a un seul Dieu. N'est-ce pas? Qui est manifesté en trois façons différentes. Il est manifesté comme le Père. Dans le Nouveau Testament, il est manifesté comme le Fils. Maintenant, dans la période de l'Église, il est manifesté comme le Saint-Esprit. Nous t'a dit, l'aller, il vient. L'aller, il tourne. C'est ça lié. Romains 8, verset 33 et 34. Verset 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il était mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Dieu ici, c'est Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Ce verset est très clair. Quelle est l'œuvre de Jésus au ciel? Quelle est l'œuvre de Jésus? Qui travaille Jésus dans le ciel là-même? L'a intercédé pour nous. Nous devons anticiper ça. L'a intercédé pour nous. Qui travaille Jésus dans le ciel là? L'a intercédé pour nous. Quelle est l'œuvre de Jésus au ciel? Il intercède pour nous d'après Romains 8, verset 34. On t'a posé la question, t'a dit, qui travaille Jésus a fait dans le ciel là? C'est pour répondre d'après Romains 8, verset 34. Il est notre intercesseur. L'a intercédé pour nous. L'a intercédé pour nous beaucoup de papa. Ce travail sur la financière là. Lors des problèmes, allez côté Jésus. Ou des difficultés, allez côté Jésus. Libre à l'être grâce pour amour, pour compassion, pour miséricorde, ou te manifestant envers nous. Nous remercions Seigneur parce que tu as nos possibilités aujourd'hui pour nous étudier l'œuvre de Jésus Christ sur la terre. Nous souhaitons ensemble qui travaille Jésus Christ est venu faire sur la terre, qui mission te gagne. Il est venu pour sauver l'humanité. Seigneur, ouvre les yeux en plein monde pour qu'il y ait des chances pour nous sauver. Des gens qui ont perdu, des âmes qui ont perdu,
ba aux possibilités Seigneur pour venir croire dans la parole, pour convertir, accepter Jésus comme sauveur personnel. Seigneur, nous remercions parce que tu es utilisé nous pour nous faire étude ça, permettre étude ça atteindre des milliers de monde. Permettre étude ça Seigneur, lui rejoindre des milliers de monde pour faire la vie avec Christ. Qui pour accepter ou pour accepter ou pour gagner la vie éternelle. Parce que on dit dans la parole là, si nous parlons pas les paroles là, on va faire wash parler. Nous prenons l'initiative pour nous partager l'évangile au Seigneur. Tant pis Seigneur. Permettre chacun de nous d'accepter pour gagner la vie éternelle. Merci. Chacun de nous qui débat nos possibilités, qui partage l'étude de nous, continuez à partager sous tout groupe. Groupe Facebook, Instagram, Twitter. Partagez, prenez l'étude ça, la gueule dans différents groupes pour capable sauver une âme qui peut faire la paix avec Christ. Ou même qui abonne avec nous déjà, continuez à faire commentaire, continuez à partager l'étude de nous. Ou même tout qui peut aborder nous, encourage au Kounia, abonnez à la chaîne. Chaque semaine, vous allez recevoir étude qui vous bénit l'âme. Nous remercions parce que vous êtes prêts maintenant. Faites travail ça. À la prochaine pour une prochaine vidéo.